pastoral Ethos, études sur l'homme et la société, représentant le professeur Mondaou, directeur de l'école doctorale Ethos. Monsieur le professeur Papsaho, monsieur le professeur Malick Diagne, chef de département de philosophie, très chers collègues membres du JIRSI, chers collègues invités, chers étudiants, ce 3 février 2022 marque le début d'une nouvelle dynamique du groupe interdisciplinaire de recherche sur les cultures et les identités, entendu par la JIRSI. La conférence inaugurale, raison de notre belle assemblée bimodale, donne le ton d'une série de panels. Je dirais même d'une série de 8 panels interdisciplinaires animés par des professeurs chevronnés, animés par des doctorants, jeunes chercheurs. Nous aurons droit à ce que je peux appeler les jeudis du JIRSI. Nous allons commencer notre cérémonie protocolaire avant d'entrer dans la conférence inaugurale, en donnant d'abord la parole au directeur du JIRSI, le professeur Babacar Mbaye Diop. Professeur, vous avez la parole. Il n'est pas dans cette salle, mais il est là. Vous allez vous en rendre compte. Professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Philippe. Bonjour à tous les collègues. Madame la ministre, professeur Ndioro Ndiaye, monsieur le représentant du doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines, monsieur le représentant du directeur de l'école doctorale Ethos, le professeur Badondoy, monsieur le président de séance, le professeur Papsaho du département de géographie, chers collègues, chers étudiants, chers doctorants, chers collègues et membres du JIRSI, merci beaucoup d'être venus ce matin à la conférence inaugurale du JIRSI, une conférence prononcée par professeur Ndioro Ndiaye, que je remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Professeur, c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui au JIRSI. Le JIRSI est un groupe de recherche interdisciplinaire, comme l'a dit mon ami Philippe, qui regroupe des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des doctorants, spécialistes dans différentes humanités. Affilié à la formation doctorale Société, Espace et Culture de l'école doctorale Ethos, il mène des recherches collectives interdisciplinaires. Il mène aussi l'encadrement des thèses de doctorat mais aussi contribue en amont à la formation de futurs chercheurs à travers le master. L'objectif du JIRSI est de développer des programmes de recherche, d'organiser des colloques, des séminaires, des unités d'études, des conférences, des éditions d'ouvrages dans les cahiers du JIRSI. Et le groupe est composé de membres permanents, de membres temporaires et de membres associés. Et depuis sa création en 2019, comme vous l'avez remarqué, depuis maintenant 3 ans, le JIRSI occupe l'espace universitaire avec beaucoup de conférences, beaucoup de rencontres, beaucoup de séminaires. Et nous avons 3 axes. Le premier axe donc, est consacré à la culture et à la politique. Et les responsables de cet axe sont Malick Diagne, le professeur Malick Diagne, le professeur Pierre Mbindiouf. L'axe 2 est consacré à l'identité, société et migration. C'est vraiment au cœur de cette conférence de ce matin, l'axe 2, identité, société et migration, dont les responsables sont les professeurs Amadou Wouriba et Alioune Diaw. Et l'axe 3 est consacré au savoir endogène, dont les responsables sont Cheikh Sakho et Pape Abdou Fall. Donc voilà, donc un peu pour le JIRSI. Je remercie toute l'assistance. Je suis loin de vous, mais je suis donc avec vous aujourd'hui pour écouter ma grande sœur, le professeur Ndioro Ndiaye. Merci beaucoup, Philippe. Merci au professeur Babacar Mbaye Diop. Je voudrais rendre hommage au professeur Babacar Mbaye Diop, car il est l'épine dorsale même de ce groupe de recherche. Il se bat, il défend le projet et il y croit. Et je pense qu'un groupe de recherche de cette nature a besoin de locomotive. Et il joue vraiment ce rôle de locomotive.
Merci à Babacar. Nous espérons que nous autres enseignants, nous allons être à côté pour l'accompagner parce que notre espace universitaire a besoin de centres de recherche. On a l'habitude d'être en cloison dans nos recherches. Actuellement, il nous faut nous ouvrir, il faut travailler avec les autres, il faut se donner la main parce que c'est en s'ouvrant qu'on s'enrichit. Je pense que c'est un bel exemple qu'il faut encourager, pas seulement au niveau de la faculté des lettres, mais au niveau de toute l'université, cher Anta Diop, mais des autres universités aussi. Je pense que nous avons les possibilités de le faire si seulement nous voulons arriver à de bons résultats. Merci au professeur Babacar Mbaye Diop. Je vais donner la parole au professeur Badoundoy qui représente le professeur Morndaou. Morndaou est le directeur de l'école doctorale Ethos. Professeur Badoundoy, vous avez la parole. Voilà, merci beaucoup Philippe d'avoir donné la parole. Je viens aujourd'hui représenter ici le professeur Morndaou, directeur de l'école doctorale, empêché. Il a voulu venir assister à cette rencontre et y participer, mais il a une contrainte, une soutenance de thèse qui fait qu'il ne peut pas être là. Et je voudrais en son nom d'avoir remercié Babacar Mbaye Diop, le professeur Babacar Mbaye Diop, pour son dynamisme et surtout pour son ouverture d'esprit qui fait qu'il a compris justement que pour certaines questions, d'ailleurs on pourrait dire que pour toutes les questions d'ailleurs, une approche simplement conceptuelle ne suffit pas et qu'il faudrait que les philosophes apprennent à s'ouvrir de temps en temps aux sciences dures, mais aussi aux sciences sociales, bref, à toutes les sciences qui peuvent apporter de la matière à partir de laquelle la philosophie pourrait construire ses concepts. D'ailleurs, le thème que vous avez choisi aujourd'hui pour votre leçon inaugurale, la question des migrations, est une de ces questions qu'aucune discipline à elle seule ne peut épuiser. Et il faut donc l'apport de toutes les sciences humaines et sociales pour comprendre justement qu'il y a une nouvelle dynamique qui s'est mise en place et qui reflète d'une certaine manière ce que le capitalisme tardif est devenu et qui fait que cette division du monde en un centre, en une périphérie, c'est aussi une division entre un nord riche qui se barricade et un nord pauvre et un sud pauvre que l'on veut justement canaliser et garder dans ses frontières. Une question aussi importante ne peut être qu'une question transversale que toutes les sciences devraient pouvoir, et toutes les gens devraient se donner la main, en fait, pour essayer de la comprendre. Et le fait d'avoir confié la tâche, cette tâche ardue, à Mme Nioro Ndiaye, connue comme professeure de pharmacie, donc un domaine de savoir qui, sur la carte des savoirs, peut être très éloigné de l'histoire, de la philosophie, bref, des sciences sociales, démontre encore une fois de plus ce que j'ai dit au début, à savoir cette ouverture d'esprit qui fait que le GIRSI, de ce point de vue, est en train d'innover. Et je voudrais donc, au nom du directeur de l'école doctorale, vous souhaiter une bonne journée, une bonne journée pour ces réflexions. Voilà, je vous remercie. Un grand merci au professeur Badoundoy. Vous transmettrez nos sincères remerciements et notre reconnaissance au directeur de l'école doctorale Ethos. L'école doctorale Ethos a accepté l'affiliation de notre groupe de recherche. Et ce n'était pas évident, mais dès que la demande a été faite, elle a été acceptée pour dire le souci de promouvoir la recherche dans notre espace universitaire. Merci au professeur Badoundoy pour ces mots. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Je vais donner la parole au professeur Papsaro du département de géographie, bien entendu de la faculté des lettres et sciences humaines. Les travaux du professeur Papsaro portent sur les villes africaines, les mobilités et transports urbains en Afrique et surtout sur les migrations internes et internationales en relation avec la dynamique des territoires. Il aura à modérer cette conférence. Je vais lui laisser la parole pour présenter la conférencière et assurer la suite. Après, nous reviendrons sur les panels. Le plus urgent, c'est le panel du 17 février. Nous reviendrons pour vous partager les informations. Merci. Le professeur, vous avez la parole. Alors, je ne ferai pas état. De toute façon, quand on parle de migration aujourd'hui,
Madame le professeur est là depuis 2000 pratiquement jusqu'à ce jour, depuis qu'elle a rejoint l'UIM, hein, à la direction exécutive de l'UIM dans les années 2000. À ce jour, elle n'a pas quitté ce champ, donc pour dire qu'elle connaît le sujet. Et ensuite, elle est revenue encore en menant une activité de promotion, de plaidoyer, en mettant en place donc la MLD, hein, donc cette alliance, cette association ONG qui est très dynamique donc dans la promotion de tout ce qui est relatif à la migration. Et là, peut-être, je ne vous dirai pas plus parce que vous allez voir tout de suite qu'elle sait prendre position et elle sait mettre en avant la recherche sur des questions peut-être que les autorités voient autrement, mais donc avec le recul scientifique, l'ouverture dont vous parlez tout de suite, elle donne des positions qui permettent de faire progresser la chose. Bon. Je crois que votre thème aussi, de démarrer par les questions migratoires, c'est une question très actuelle, à la mesure où, à l'échelle nationale, déjà à l'échelle internationale, maintenant le débat se pose. Tim l'a dit tout de suite, le professeur, Philippe. Et ensuite, à l'échelle nationale aussi, on est aujourd'hui confronté à un statu quo, dans la mesure où, depuis au moins pratiquement aussi les années 2002, sous son impulsion, les autorités sont en train de se chercher. Mais apparemment, jusqu'à ce jour, une trentaine d'années, vingtaine d'années après, bon, on est à la limite, à la case départ. Hein? On ne voit pas encore clair. Et je crois que l'intervention de Madame la professeure certainement va ouvrir des pistes parce que ce n'est pas seulement pour prendre une décision, quel que soit le domaine, en particulier sur la migration, il faut bâtir sur des bases scientifiques solides, des données avérées pour pouvoir prendre la décision. Et je crois que le GIRFI donc est invité à cette réflexion sur la question. Et pour ce faire, donc, certainement, au bout de sa présentation, de sa conférence, il y aura beaucoup de pistes de réflexion qui vont nous être soumises, nous, chercheurs, confirmés, aussi les jeunes. Hein, parce que je vous ai dit que le master Miri a finalement démarré au département de géographie, donc de l'UQAM, cette année. Et je crois que dans l'assistance, peut-être qu'il y a des étudiants donc, qui proviennent de ce master et d'autres chercheurs qui sont là, que je reconnais un peu sur la question et qui nous viennent d'autres pays, hein, donc pour mener leurs recherches actuellement au Sénégal sur la problématique de la migration. Bon, je suis très bavard, mais madame la professeure, c'est vous qu'on veut entendre et pas par ça. Donc, vous avez la parole. Je voudrais commencer par saluer, bien entendu, toute l'assistance, en commençant par monsieur Ndoye, le professeur Badou Ndoye, qui représente la direction donc, doctorale ici, et saluer tous ses collègues, tous vos collègues qui vous aident dans l'encadrement de cette école doctorale, et vous dire que nous sommes absolument ravis de pouvoir sortir un peu de notre quotidien pour être dans un endroit de réflexion et d'échange à un autre niveau
ce que j'ai malheureusement l'habitude de faire maintenant. Je voudrais saluer, bien entendu, Pape, qui est mon cadet et que j'apprécie énormément. Et je suis tellement surprise d'entendre que tu es à la retraite, que tu ne peux pas aller à la retraite. C'est pas possible, c'était trop tôt d'abord, et les gens ont besoin de toi. C'est fou comme le système francophone, entre guillemets, nous met à la poubelle, alors qu'on est au plus haut de notre production et de nos qualités et de nos capacités de production. On ne verrait jamais dans un système anglo-saxon ce type d'action et de comportement vis-à-vis du personnel qui crée de la richesse, parce que c'est la richesse que vous créez là où vous êtes. En tout cas, moi, je ne te considère pas comme étant à la retraite, pas. Et je te solliciterai tant que je pourrai et que tu pourras m'aider à aller un peu plus loin. Je voudrais aussi, bien entendu, à travers le GIRSI et le professeur Babacar, je suis désolée que tu ne sois pas là aujourd'hui, mais je sais que tu es de tout cœur avec nous et que tu nous écoutes aussi. Mais je voulais te dire que toute mon appréciation de voir les efforts que tu fais pour pousser à la réflexion, pour ouvrir l'université à la pratique, pour qu'il y ait un système de vase communicant entre les connaissances et la pratique et vice-versa. Et même dans un domaine comme celui de la philosophie, celui des lettres, il essaie de le faire. Et ce n'est pas aussi évident quand on est, par exemple, dans le milieu scientifique, quand on travaille dans le milieu scientifique. Donc, bravo, Babacar, pour ça. Tu me demandes d'intervenir dans un domaine dans lequel je vis ces dernières années. Je vais essayer de le rendre intéressant pour nos jeunes qui sont là dans cette salle, les jeunes qui nous écoutent et qui pourraient peut-être profiter de ce qu'on aura essayé de faire. La migration est très complexe, elle est très très compliquée, elle est difficile aussi, et j'ai l'habitude de dire que en travaillant en tant qu'Africaine, en tant que venant d'un pays du Sud, un pays d'origine de migrants, en tant qu'originaire d'un pays pauvre, que l'on place du jour au lendemain dans des enceintes, dans des cercles où la migration internationale se décide, la migration internationale se conjugue entre pays pauvres et pays riches, et dans les institutions internationales, j'ai vécu 10 années très, très, très difficiles, très, très pénibles dans cette position-là. J'ai essayé tant bien que mal de faire valoir nos idées, ce à quoi on croit, nous, en tant que femme et en tant qu'Africaine et noire, et je vous promets que ça n'a pas été de tout repos. Mais venons-en, je vais essayer de discuter avec vous et de vous donner quelques éléments de sémantique d'abord, ensuite quelques aspects géopolitiques de la gouvernance de la migration en ce moment, autant en Afrique, dans nos pays, nous, en Afrique de l'Ouest ou en Afrique au sud du Sahara, mais également on sortira un peu de cette chape dans laquelle on veut toujours nous contraindre, et bien vers un petit peu d'universel, un petit peu de rapport entre le nord et le sud. D'abord, dans la sémantique, je pense qu'il faut que tout le monde sache ce que c'est que la migration. La migration est est le déplacement de personnes d'un lieu vers un autre ou dans un autre lieu, en particulier d'un pays, et ça s'appelle l'émigration, dans un autre
Et ça s'appelle à ce moment-là l'immigration. C'est extrêmement important parce que je souffre beaucoup de voir beaucoup de mes responsables et de mes autorités faire un amalgame juste impossible et incroyable. Et ce sont des gens qui décident. Et c'est pour ça qu'il est grave. Décider sur l'immigration alors qu'on parle d'immigration. Décider sur l'immigration alors qu'on parle d'immigration, c'est qu'on a tout faux et dès le départ. C'est ça le problème de l'importance de savoir de quoi on parle et de maîtriser les dénominations, les déclinaisons des concepts dont on parle. Donc, la migration, c'est les deux, et l'émigration et l'immigration. Et cela peut se faire de manière temporaire ou définitive. Cela peut se faire également pour des raisons politiques, des raisons sociales, des raisons économiques ou des raisons tout simplement personnelles. La migration en tant que mouvement humain de population en quête de bien-être est un phénomène qui a toujours existé et même contribué au peuplement de la planète Terre. Elle fait partie intégrante de l'histoire du continent africain. Ce fait a été d'ailleurs admirablement illustré un jour de conférence sur la CEDEAO. Je ne sais pas si Pape, tu nous étais là, vous-même, oui, par Moussa Fagnas, donc, qui est encore le président de l'Assemblée nationale, quand on a réussi à créer un forum sur la migration entre parlementaires de la CEDEAO. Et il nous a admirablement démontré comment la migration était consubstantielle au développement du continent africain. Et nous le citons dans nos textes, vous pourrez prendre les références et voir exactement ce qu'il a dit et le texte complet de ce qu'il a dit à l'époque. Mais il a surtout illustré trois dates qui sont historiques à retenir absolument et qui balisent l'histoire des premiers déplacements d'Africains vers d'autres contrées, 1236, 1317 et 1444, où les premières vagues de déplacements de population ont pu être faites, orchestrées et documentées entre le continent africain et le continent américain en particulier. Alors, l'immigration constitue une question transversale et un enjeu de notre époque. Elles sont aujourd'hui au centre des relations internationales et des perspectives de construction d'un nouvel ordre migratoire qui tient compte des configurations de notre système international. En effet, on estimait à 281 millions, je me méfie toujours des chiffres, je suis obligée de les donner parce que un document pour être un petit peu scientifique doit donner au moins des repères, mais ce ne sont vraiment que des repères. Je doute de la qualité des statistiques que nous utilisons parce que ces statistiques varient et sont absolument mobiles d'un endroit à un autre, d'un moment à un autre dans notre vie. Mais on est obligé d'en tenir compte. C'est ce stock de migrants que nous donnons, qui est à peu près le même depuis 2020, est important à retenir parce que au plan statistique, ça ne représente que 3,5 ou 3,6% de la population mondiale. C'est juste pour faire un rapport entre le stock de personnes qui sont mobiles et la population mondiale. C'est donc les 3%, jusqu'à 3,6% de la population mondiale qui constitue le stock de la migration. Dans l'ensemble, on estime que le nombre de migrants internationaux donc, a augmenté ces 50 dernières années, mais en Afrique, nous avons à peu près la même, encore une fois, les 128 millions de plus qu'on a de migrants depuis 1990, c'est juste un multiple du stock que nous avions en 1970. C'est les dates que j'ai sur lesquelles je peux me focaliser parce qu'ils sont plus fiables, ces chiffres sont plus fiables, mais je suis convaincue que si on a des chercheurs qui travaillent sur les statistiques migratoires, ils peuvent trouver d'autres chiffres.
les Africains. Dans ce stock, les Africains représentent 13,4% des migrants de la planète. Alors, la gouvernance des migrations est assez complexe. Elle ne peut finalement relever que des relations bilatérales, c'est-à-dire entre pays d'accueil et pays d'origine et pays de transit. Mais cette gouvernance intéresse non seulement la manière dont la mobilité se passe entre pays d'origine, pays de transit et pays d'accueil, mais cette migration englobe des initiatives intégrées qui sont d'ordre tellement plus géostratégique et géopolitique que mettre la migration ou concevoir la migration ou regarder la migration seulement dans le sens de l'aller-retour ou l'aller-venue entre pays d'accueil, pays d'origine et pays de transit serait fausser la donne. Il faut donc voir plus large. En plus de ces mouvements de population, il y a d'autres éléments d'ordre économique, d'ordre historique, d'ordre culturel, etc., qui interviennent dans la gouvernance de la migration. Les pays africains, d'ailleurs, reconnaissent dorénavant qu'il est nécessaire de formuler des réponses plus holistiques, plus inclusives, qui comprennent les fondamentaux nécessaires à la compréhension de la migration, qui prennent en compte les tendances lourdes qui caractérisent le fait migratoire dans notre continent et les germes de changement sur lesquels les autorités politiques des États et des gouvernements et les acteurs peuvent se baser pour une gestion adéquate des problèmes posés par la migration. Qu'est-ce que signifie donc la migration pour l'Afrique? Ces mouvements migratoires dans l'ensemble des pays membres de l'Union africaine deviennent de plus en plus complexes et ils sont au centre des problématiques de développement et de la sécurité. Aujourd'hui, la plupart des États africains et non africains se déplacent, doivent faire face à des flux migratoires réguliers et irréguliers de différentes origines qui se déplacent non seulement au sein du continent africain, mais aussi du continent vers les autres. Je parle de l'Amérique, de l'Asie et de l'Europe, bien sûr. Les phénomènes migratoires se sont amplifiés et diversifiés au point de constituer une des questions prioritaires sur le plan continental et international et de retenir l'attention de tous les gouvernements, quel que soit leur engagement ou leur intérêt pour la gestion des processus migratoires, pays d'origine, de transit et d'accueil. Aussi, une approche globale et équilibrée de la migration s'impose compte tenu des réalités et des tendances en matière de migration et des liens entre la migration et les autres questions, comme vous venez de le dire à l'introduction, d'autres questions d'ordre économique, social, politique, sécuritaire, humanitaire. C'est la raison pour laquelle des initiatives tendant à intégrer la migration dans les politiques sectorielles de développement ont vu le jour dans la plupart des pays d'ailleurs, y compris le nôtre. L'un des aspects les plus frappants des migrations internationales en Afrique, c'est que la plupart des migrants se déplacent à l'intérieur de la région. Et quoi que l'on puisse dire, et je souhaiterais que les jeunes le retiennent, les migrations sont beaucoup plus importantes, beaucoup plus variées, beaucoup plus diversifiées et posent davantage de problématiques dans le continent africain, au sein du continent africain, que dans... Oui, merci beaucoup, je vais le faire. Que la migration entre l'Afrique au sud et le reste du monde. Et je crois que ça, c'est vous qui voulez apprendre et certainement utiliser des résultats de recherche pour votre travail au quotidien. Il faut que vous soyez sûr de cela. Et les chiffres sont là. Il suffit juste de faire de lire les gens qui travaillent là-dessus et de faire des recherches supplémentaires si cette lecture ne vous convient pas ou si cette lecture vous pose des problèmes. La migration
elle est importante en Afrique parce que la plupart des migrants ont quitté juste leur pays d'origine et ont posé leurs bagages dans un pays à côté, donc dans le continent africain, et non pas en Europe, et encore moins en Asie et en Amérique. L'un des aspects les plus frappants des migrants internationaux en Afrique, c'est que donc, la plupart d'entre eux se déplacent et restent dans la région, contrairement à ce qu'affirment les médias, où la majorité, pour eux, la majorité des migrants africains ne quittent pas leur continent, ils se déplacent surtout vers les pays les plus voisins. De 2015 à 2017, par exemple, le nombre de migrants internationaux africains au sein de la région est passé de 16 millions à peu près à 19 millions. Je suis convaincu que c'est en deçà de la réalité. On note que cette migration se déplace par pôle. Le premier pôle, c'est autour de la Côte d'Ivoire, un pays peu peuplé et qui avait besoin de main-d'œuvre jusqu'à présent, qui en a besoin pour exploiter ses richesses agricoles et qui attirait des populations en provenance du Mali, du Burkina, de la Guinée et même du Sénégal. C'est le premier pôle de migration, donc aller et venu, que nous avons pu noter dans nos travaux. Le second pôle est constitué autour du Nigeria. Voilà, c'est celui-là, c'est cette carte-là. Le second est donc autour du Nigeria, où les populations originaires du Ghana, du Bénin, et même un peu plus loin, y compris du Sénégal, avaient été attirées par l'exploitation de richesses, en particulier de pétrole, à un moment déterminé. Un troisième pôle autour du Sénégal, capitale de l'AOF à l'époque, qui attirait les ressortissants de tous les pays africains, mais en particulier les Guinéens, les Cap-Verdiens, pour des raisons historiques. Enfin, l'Afrique de l'Est est caractérisée, elle, par des mouvements de déplacés internes et des réfugiés, surtout, et le dernier pôle est l'Afrique du Sud, avec les mines donc, d'or et de diamants qui ont attiré énormément de ressortissants de pays tels que le Zimbabwe, le Mozambique, etc. Et ceci a créé des relations dans la gestion de la migration, des relations particulières entre les ressortissants de ces pays et les ressortissants des pays du pôle géographique dont je viens de parler. Dans les exemples que nous citons, on voit comment les personnes se déplacent et se dirigent prioritairement vers des pays voisins pour explorer soit les terres, exploiter soit les terres, soit les richesses minières ou pétrolières. Il y a ainsi plus d'Africains qui se déplacent vers les autres pays africains que vers les pays européens. Dans cette première... Non, c'est celle-là. C'est là, mon frère. Vous voyez les flèches. Je pense qu'on peut laisser le document. Vous voyez les flèches qui indiquent bien les départs des mouvements migratoires et l'arrivée vers quel pays cela va. Et dans les cartes sectorielles, vous verrez, par exemple, si le Sénégal est un pays d'accueil, les pays d'origine autour du pôle Sénégal, c'est où est-ce qu'ils sont? Les pays d'origine, par exemple, pour le Sénégal, pour le pôle Sénégal, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a le Mali, la Mauritanie, la Guinée-Bissau et la Guinée. Si le pays d'origine est la Côte d'Ivoire, les gens viennent si le pays d'accueil est la Côte d'Ivoire, les gens viennent du Sénégal, de la Mauritanie, du Mali, de la Guinée, du Burkina Faso et du Ghana. Et si le pays d'accueil est le Nigeria, les pays d'origine sont le Ghana, le Niger, le Tchad, le Bénin et le Togo. Et si vous faites les recherches, vous le retrouverez. Il y a beaucoup d'écrits là-dessus. L'Afrique de l'Est est spécifique dans la question des réfugiés et des personnes internes déplacées et des demandeurs d'asile. Et en Afrique du Sud,
Par contre, l'Afrique du Sud a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes à se faire entendre et à faire accepter ces lois internes qu'elle a prises après l'apartheid, parce que tous les pays d'origine des migrants qui sont en Afrique du Sud viennent du Malawi, du Zimbabwe, du Mozambique, du Swaziland, de Lesotho, de la Zambie, du Botswana en particulier. Et tous ces pays ont eu à accompagner l'ANC dans sa lutte contre l'apartheid. Et ces pays ont ressenti et ont jugé absolument inacceptable l'attitude de l'Afrique du Sud après leur libération du joug de l'apartheid, parce qu'ils n'ont pas voulu coopérer, ils n'ont pas voulu accepter leurs migrants. Les labor migrants qui allaient en Afrique du Sud taper à la porte pour chercher du travail ont été traités pour moins que rien, à part les autorités. Et ça, au plan politique, ça nous a donné énormément de problèmes pour installer un dialogue en migration dans la région de la SADC. Alors, les enjeux et les défis en géopolitique, je crois que le premier enjeu et le premier défi que nos pays africains doivent adresser, là, c'est la question de la migration irrégulière. Elle est la principale préoccupation des pays européens, et même les autres d'ailleurs, et leur pose des problèmes de gestion de leurs frontières, de maîtrise des risques sécuritaires, de gestion et de régulation de leur économie interne et des problèmes de coopération bi- et multilatérale. Ce sont des foyers dans lesquels les Africains n'excelle pas. Je pense que vous autres qui travaillez sur la migration, vous pouvez le voir, c'est évident. Et moi, j'en souffre, mais je souffre, beaucoup d'autres personnes aussi le font. Nos pays africains n'ont pas pris à la mesure qu'il faut pour adresser la question De la gestion de la migration. Si bien que, si vous prenez juste l'aspect migration irrégulière, mais cette question, elle est épouvantable, parce qu'elle nous rend une vie impossible, une incompréhension entre les interlocuteurs. C'est le premier constat. Les Africains ne parlent pas du tout le même langage que les Européens quand on parle de migration irrégulière. Et pourtant, les textes sont là. Le premier, c'est l'accord de Cotonou, que nous connaissons tous. Mais après celui-là, il y a eu d'autres textes beaucoup plus proactifs, beaucoup plus consensuels, si on peut s'exprimer ainsi. Il y a l'accord de Nandi, il y a sur les ACPUE. On se réunit, mais toujours à l'initiative des pays européens qui reçoivent les migrants irréguliers. Même dans la sémantique, ils ont une avance telle qu'ils influencent la sémantique des autorités des pays d'origine qui vont à la rencontre des pays d'accueil en acceptant qu'on traite leurs migrants d'illégal au lieu d'irrégulier. C'est une irrégularité, ce n'est pas une illégalité. Mais beaucoup d'autorités ici, vous les entendez parler de migration illégale, parce que tout simplement, ils ont lu, ou dans la lettre qu'ils ont reçue venant de l'Europe, on a parlé de migration illégale. Or, c'est illégal pour eux, oui, mais c'est irrégulier pour nous. Tant qu'on n'a pas la preuve qu'ils n'ont pas les papiers qu'il faut, ils n'ont pas pris le soin d'avoir les documents qui sont demandés par les pays qu'ils veulent, dans lesquels ils veulent aller vivre, eh bien, c'est une migration irrégulière. Et elle est illégale quand le migrant est sur le territoire du pays d'accueil sans les papiers qu'il faut, sans avoir obtenu donc l'autorisation de s'installer. C'est ça l'illégalité. Mais l'irrégularité, c'est ne pas se préoccuper de ces papiers-là et de vouloir vaille que vaille aller s'installer dans le pays d'un autre sans tenir compte de ses besoins et sans tenir compte aussi de ses désirs, parce que tous ces désirs sont écrits. Alors,
On se demande donc si la France, comme l'Europe, peuvent encore être des pays d'accueil, des terres d'accueil. Sauf une exception, la réponse est évidemment non, car les chiffres parlent d'eux-mêmes. 65 millions d'habitants face à 1,5 milliard aujourd'hui et à 3 milliards d'Africains en 2050, la question, elle est là. Elle est juste de bon sens et il est certain qu'on va vivre avec la migration, avec les problèmes de la migration encore longtemps si on ne veut pas regarder les choses en face. Le deuxième point en géopolitique, c'est la question de la sécurité humaine. Les mutations contemporaines de la migration dans le contexte géopolitique global, ainsi que la spécificité sécuritaire de l'Afrique, en gros, mais surtout de l'Afrique de l'Ouest, doit nous pousser à poser un regard critique sur le traitement d'une problématique aussi cruciale pour l'avenir de nos peuples. Il me semble alors important de mettre en perspective deux voies de sortie possibles qu'il faut explorer, mais ensemble. Il s'agit de la nécessité d'aller vers la prise en compte de la sécurité humaine dans l'analyse comme dans nos actions en vue de mieux circonscrire le phénomène. Dans le même temps, il faut que la prise en compte de la sécurité humaine soit bénéfique et efficace dans une dynamique de coopération internationale entre les États concernés. Je précise donc ici que la priorité géopolitique que constitue la sécurité humaine est une piste sérieuse à intégrer parce qu'elle va permettre d'abord de s'assurer que la sécurité politique, c'est-à-dire la stabilité institutionnelle des États de provenance des migrants, car certains migrants protégés par la Convention de Genève quittent leur pays pour éviter des représailles politiques dues à leur opinion, à leur profession ou à leur appartenance. Donc, il faut s'assurer de cela. Ensuite, il faut garantir la sécurité. L'aspect de la sécurité économique doit être garanti dans ce framework que l'on met entre pays d'accueil et pays d'origine, car beaucoup de populations qui se déplacent dorénavant le font pour des raisons économiques. Et on le voit souvent, les migrants, nos migrants par exemple irréguliers, quand on les achemine vers des centres de rétention et que ne sachant pas qu'ils viennent d'un pays où on n'a pas de guerre ici, à part le sud, ce qu'on a dans le sud, ils ne sont pas ressortissants d'un pays en guerre pour pouvoir demander de l'asile. L'asile, ou les réfugiés, ce processus s'applique à des personnes qui vivent dans des endroits où il y a une guerre, qu'elles soient ouvertes ou peut-être plus larvées, comme nous le constatons ici au Sénégal, dans le sud du Sénégal, mais on a la possibilité de faire une demande d'asile régulière quand on vient d'un endroit où toute la communauté internationale sait qu'il est en guerre, cet endroit est en guerre. Mais venir du Sénégal, on vous attrape, vous êtes irrégulier, on vous attrape et vous dites pourquoi vous venez, vous demandez l'asile dans un pays du Nord ou ailleurs, et que vous dites parce que je suis du Sénégal, on vous dit mais au Sénégal il n'y a pas de guerre. Et ça aussi, les gens doivent le savoir. Et dans l'éducation de nos populations et les informations qu'il faut, pour les endroits à fort potentiel migratoire, ce pourquoi on se bat toujours, il faut que le gouvernement, il faut que les politiques publiques adressent ces questions, éduquent nos gens, leur donnent les informations pour qu'au moins quand ils se déplacent, ils puissent donner des raisons cohérentes, des raisons intelligentes dans leur requête. Le troisième point dans cette géopolitique, à part l'économie donc et le politique, c'est la sécurité environnementale, parce que de plus en plus de migrants le sont du fait des perturbations climatiques qui entraînent des famines et leurs corollaires. Ça, on le voit en Asie, vous avez vu à Madagascar ce qui se passe actuellement, ce sont des gens qui vont être certainement des réfugiés ou des demandeurs d'asile à cause du facteur environnemental. Donc ça, il faut qu'on en tienne compte. Et ceci relève des biens communs globaux qui doivent
pousser à sa prise en compte dans le processus de réflexion et de recherche de solutions durables. Et enfin, la sécurité sociale, qui est définie comme l'ensemble des conditions de vie internes qui permettent une évolution harmonieuse, ainsi qu'une prise en compte des besoins culturels, identitaires et religieux pour un épanouissement collectif. Cette question de sécurité sociale se pose dans la durabilité, parce qu'elle est une question d'existence des migrants. Alors, un autre aspect aussi dans les défis et les enjeux, c'est cela aussi nous semble être une priorité géopolitique, c'est la coopération bilatérale qui est fondamentale entre pays voisins et qui doivent avoir une vision concertée du processus de traitement de la question migratoire. Cela suppose la mise en commun des moyens et des idées des décideurs politiques, d'où l'importance des processus de dialogue régionaux entre pays sur toutes ces questions à traiter en commun. L'Afrique australe est la région la plus en avance dans cette question de processus de consultation régionale. L'Afrique de l'Ouest l'a, mais l'Afrique de l'Ouest est très, très handicapée en ce moment, pour tout ce que vous savez qui s'y passe, mais parce que aussi la CEDEAO, qui était en avance sur la prise des décisions de texte, des protocoles, la création de protocoles pour faciliter les mouvements migratoires, eh bien, la CEDEAO, on dirait, est un petit peu stagnante dans les initiatives à prendre pour améliorer la question de la mobilité au sein de l'espace de l'Afrique de l'Ouest. Et on avait créé le MIDWA, c'est-à-dire le Migration International Dialogue pour l'Afrique de l'Ouest, et on avait fait quelques réunions, on a eu quelques réunions. La CEDEAO a voulu récupérer le MIDWA en disant que c'était plus conforme à sa géographie, et ce qui est bien, mais ça nécessite des décisions, ça nécessite une volonté de travailler, ça nécessite des engagements, ça nécessite des initiatives à prendre, et la CEDEAO ne me semble pas en ce moment très, très prête à le faire. Donc, en géopolitique, pour que l'on puisse discuter de tout cela aussi, cet instrument de coopération bi- et multilatérale qu'est le processus consultatif, donc comme dialogue, eh bien, c'est à retenir, je pense, pour ceux qui font de la recherche, c'est à retenir pour savoir qu'est-ce qu'on peut gagner. L'Asie est très en avance. Même les pays entre les endroits donc, ou les cercles entre les pays de l'Asie, pays riches et pays moins riches, il y a entre les deux des processus de consultation régionale concernant le labor migration, concernant la santé, concernant le développement économique, concernant la migration régulière et irrégulière, concernant aussi l'université, la formation. Alors, c'est des questions que j'amène volontairement sur la table dans cette école doctorale, parce que c'est vraiment le moment aussi de s'interroger sur l'utilité et la nécessité de créer des endroits de connaissance, la migration en Afrique. Pourquoi je le dis? Nous avons été confrontés pendant des années au fait qu'on a très peu d'Africains, sauf dans les pays anglophones, il faut dire, hein, les anglo-saxons, donc en Afrique australe, et ils ont des universités qui produisent des produits donc finis avec des compétences dans la gestion de la migration. C'est pour ça que quand on fait des appels, des vacancy notices, des appels à position dans les organisations internationales pour occuper des positions et entrer au migration management dans n'importe où à travers le monde, les Africains anglo-saxons sont plus présents
dans ces endroits-là et ont plus de chances que nous, Africains francophones, à accéder à ces positions-là. Or, il est fondamental d'y être. Il est fondamental d'être présent dans ces endroits-là. Et pour être présent, il faut avoir les connaissances qu'il faut. Il faut avoir l'expertise qu'il faut. Et un clin d'œil à l'école doctorale, mais un clin d'œil aussi à l'université de Dakar, l'université de Saint-Louis, l'université de Ziguinchor. Je pense qu'il est absolument utile et nécessaire maintenant dans les réformes que vous êtes en train d'initier ou auxquelles vous pensez. Il faut faire des chaires de migration. Il faut en créer pour que les cohortes qui vont sortir de ces endroits de connaissance puissent aller entreprendre les différentes positions qui existent, mais partout, à tous les niveaux, au niveau universel, au niveau des Nations Unies, au niveau intermédiaire et au niveau des États. Nous, ça nous permettrait quoi? Le fait de créer ces endroits de connaissance et de recherche en migration, ça nous permettrait d'abord d'encadrer les populations, parce que les cohortes qui sortiront de ces endroits de connaissance peuvent travailler, soit au sein de la population, soit au niveau gouvernemental, donc être dans des positions de conseiller ou de directeur pour accompagner les ministres qui sont en charge des dossiers migratoires des pays du Sud. Et c'est important, puisqu'il nous arrive de voir tout le temps dans les réunions des ministres qui arrivent, qui n'ont pas bien, apparemment, bien travaillé leur dossier, bien préparé. Les dossiers pour lesquels la réunion a été convoquée, ils ne sont pas non plus accompagnés des personnes qui puissent leur dire. Parce qu'en fait, un ministre ne peut pas tout savoir. Tout le monde le sait. Un ministre n'est expert en rien, mais un ministre peut s'entourer de personnes expertes en ce qu'on lui demande de faire, de produire. Donc, ce qu'on voit dans les pays développés, c'est que quand nous avons une réunion régionale, les gens viennent avec des personnes qui ont le bagage qu'il faut et qui se concertent pour toutes les décisions. Il n'y a que chez nous où l'on voit les ministres venir à l'ouverture officielle de la réunion et une heure après, ils vous les rencontrez dans la rue parce qu'ils sont en train de faire des courses, que ce soit à New York ou à Genève. C'est pareil. Je pense qu'il y a quand même un problème dans la coopération bi et multilatérale. Un autre défi qui me semble important, c'est la question des droits de l'homme, qui sont récurrentes aux situations de crise et d'instabilité que vivent la plupart des États fragiles dans le monde, en particulier en Afrique. C'est la géopolitique actuelle de la sous-région ouest africaine et l'insécurité grandissante humaine dans le Sahel découle pour une grande part des phénomènes migratoires, notamment celles liées à la transhumance et aux mouvements transfrontaliers et au réchauffement climatique. Je ne vous donne comme exemple que le plateau de Louptako-Gourouma entre le Niger, le Tchad, entre le Niger, le Burkina et le Mali. Voilà. C'est des endroits à connaître, c'est parce que c'est des sources de problématiques migratoires et également qui touchent les droits de l'homme. Alors, la fuite des cerveaux, j'en ai parlé un petit peu, mais tout le monde est au courant et les gains de le brain gain qu'on a essayé de créer pour avoir des retombées du départ de nos cerveaux à l'étranger, c'est aussi une route à explorer. C'est un problème qui existe, même si on en parle de moins en moins. On ne demande aucune compensation. On veut juste que nos cerveaux qui sont à l'étranger puissent continuer à servir le développement de notre pays. Et les plateaux techniques sont là, en particulier en médecine et en éducation. C'est les plateaux techniques les plus faciles à ravitailler et pour que les gains de ces migrants qui sont à l'étranger puissent servir le développement de leur propre pays.
Alors, je suis très longue, hein, mais c'est fait exprès parce que c'est des pistes de travail, des pistes de recherche quand même que vous pouvez avoir après. Alors, les gains pour l'Afrique. Nous, avec les travaux auxquels on a assisté ou auxquels on a participé, nous pensons que pour l'Afrique, il nous faut absolument agir sur les racines des migrations. Et les raisons de migration seules ne sont pas les racines de la migration. Il y a une différence. Parce que nous souhaitons que l'on s'interroge sur les politiques publiques. Les politiques publiques qui sont créées pour transformer le bonus démographique dont tout le monde parle, où l'Afrique, c'est en 2050, vous serez trop nombreux, où l'Afrique, les femmes font trop d'enfants, où l'Afrique, on ne peut pas réussir un programme ou une politique de natalité, etc., etc., parce que les Africains ne veulent pas qu'on touche à ces domaines-là. Eh bien, pourtant, nous pensons qu'il est temps de s'interroger dans la manière de transformer le bonus démographique, ce croix démographique extraordinaire dont tout le monde parle, en dividende démographique. Je crois que c'est très, très important dans l'état des recherches actuellement. Dans un article de Futurible que nous avons réalisé récemment, nous avons analysé le dividende démographique des pays, de certains pays, selon les projections de la population, les impacts des politiques publiques de santé, d'éducation et d'emploi, et nous indiquions précisément que l'Afrique peut émerger de par son dividende démographique. Un exemple connu, c'est celui de l'Asie, parce qu'on a beaucoup travaillé en Asie, mais rien ne nous oblige à copier ce qui se passe ailleurs. On peut très bien, et nous avons assez d'experts pour pouvoir analyser le croix démographique et nous faire les projections qu'il faut pour savoir quel dividende démographique on peut tirer de ce croix démographique si on insiste sur l'éducation, si on a ce qu'il faut en santé, si on investit au plan économique, social et culturel. Et politique. Alors, globalement, donc, ou généralement, le dividende démographique constitue la croissance économique qui est générée par la majeure partie de la population en âge de travailler. C'est pour cela qu'il doit répondre à certaines exigences en Afrique pour que son taux, le taux de croissance démographique de l'Afrique qui est élevé, serve avec efficacité aux exigences du développement. Les pays africains doivent agir sur l'impact des politiques sanitaires, éducatives, sociales, sur la croissance démographique et économique, ainsi que sur le capital humain, afin d'apporter les réponses efficaces à l'exploitation et à la capture du dividende démographique. Il s'agit de questions sur la baisse du taux de natalité. En Afrique au Sud du Sahara, le taux de mortalité et de fécondité élevé a laissé la place à un taux de mortalité et de fécondité plus faible. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose, mais ce n'est pas lieu d'en parler. Le taux de natalité africain est passé de 35,4 pour 1000 habitants, soit une naissance 0,2 toutes les secondes, etc., etc., cela nous fait un stock de 36 millions de naissances par an. Mais la natalité africaine, si vous regardez bien, elle est surtout forte en Afrique au sud du Sahara, parce que l'Afrique du Nord n'est plus déjà dans ce schéma-là. Les progrès de la médecine moderne permettent le relèvement des plateaux techniques de santé, l'amélioration générale des infrastructures de base et les commodités de vie modernes, notamment l'évolution technologique, l'accès aux services de base, la protection sociale, qui entraîne une baisse de la mortalité maternelle et infantile. Par conséquent, si de nombreuses familles décident d'avoir moins d'enfants, cela conduit inéluctablement à une baisse du taux de fécondité. En effet, lorsque les ménages ont moins d'enfants à charge, les membres des familles ayant un emploi
peuvent épargner davantage et investissent plus de ressources en faveur de l'éducation et du bien-être de chaque membre de la famille. Mais nous avons les réponses qu'il faut. Les pays, en tout cas ici au Sénégal, nous savons qu'on a la possibilité d'investir dans la famille pour influencer non seulement le poids démographique, mais pour former les personnes qui constituent la famille, que ce soit le père, la mère, les enfants, les enfants, filles et garçons. C'est le concept qu'on a développé ici qui s'appelle le concept de la famille productive. Comment on peut tirer profit en changeant le profil, en influençant le profil des membres de la famille, comment on peut créer plus de richesses pour la famille. Ça aussi, c'est un aspect de la lutte contre l'immigration folle, l'immigration qui ne sont pas ordonnées, l'immigration qui ne sont pas bien pensées. C'est une réponse possible aussi à ce type de migration. Un autre aspect sur lequel les pays africains devraient se pencher et investir là-dessus, c'est la scolarisation des jeunes. Si la baisse du taux de natalité est une condition sine qua non à l'atteinte d'un bonus démographique en Afrique, il faut également réussir une scolarisation et une formation à grande échelle, surtout pour les jeunes filles et les femmes, pour réussir une bonne transition démographique. En effet, ces couches sont les plus vulnérables, mais c'est d'elles dont dépend le plus la réussite des réformes sociales et structurelles pour transformer ce boom démographique en bonus démographique. C'est des questions qui ne sont pas évidentes, y compris pour certaines autorités et des décideurs, et je ne prétends pas dire qu'ils ont tort, mais je pense qu'ils auraient intérêt à penser que la transformation du profil de ces personnes-là va absolument impacter l'atteinte des objectifs de développement que le gouvernement veut pour ces populations. La création d'emplois pour les jeunes aussi, c'est ce qui constitue pour les gouvernements africains une manière de faire valoir l'autonomisation des jeunes, pour les jeunes générations et plus particulièrement pour leur santé, leur éducation et les opportunités d'emploi dont elles bénéficient sont des éléments cruciaux qui contribuent à accélérer la création d'emplois qui conduit systématiquement à l'augmentation de la productivité et de la croissance. Ceci aussi est important à prendre en compte quand on parle migration. Je donne peut-être l'impression de faire des digressions et d'aller vers des politiques du tout. Alors, absolument. Je pense qu'il faut garder l'harmonie et la logique de la pensée, des idées que nous développons, parce que tout cela interfère. Et notre collègue qui a introduit donc les débats a parlé de l'interférence de vos différents secteurs de travail sur le développement en général, dont la migration fait partie. Donc, vous tous, autant que vous êtes, avec l'expertise que vous avez, vous avez une empreinte à donner et à faire dans la gestion de la migration dans les pays africains. La question du retour des compétences également a été citée ici comme un des enjeux majeurs pour le développement économique et pour donner une réponse à la question de l'emploi. Je vais finir par des recommandations. Nous allons, comme nous le faisons chaque fois, et Pape Sarro est certainement témoin de cela, il faut qu'on puisse dire aux politiques ce qu'il y a à faire. Parce que je trouve que c'est tellement plus simple de demander aux gens qui savent. Et des gens qui savent, c'est vous, c'est l'université. C'est les gens qui cumulent autant la connaissance ou qui actionnent sur la base de connaissances. C'est extrêmement important. Parce qu'on peut se tromper, mais quand on gère des vies humaines, c'est extrêmement grave de se tromper. Et donc, il faut qu'on fasse attention à ce que nous faisons et il faut que l'on puisse investir dans des endroits ou dans des domaines qui peuvent nous apporter les réponses aux questions que nous nous posons. La formulation de politique nationale intégrée, cohérente, qui met en synergie toutes les forces et les faiblesses des différents secteurs
qui se partagent l'intérêt migratoire. Vous avez entendu, vous avez lu certainement plusieurs fois que des ONG, des acteurs de la société civile ont toujours réagi par rapport à ce que le gouvernement veut faire ou tarde à faire. Le pape l'a dit. Ça fait effectivement 20 ans. C'est très rapide. 20 ans qu'on dit, vous ne pouvez pas adresser la question migratoire de manière holistique, cohérente et coordonnée si vous ne mettez pas en place l'institution qu'il faut au plan institutionnel. Qu'est-ce qui coordonne la politique migratoire? Dès que vous parlez de migration, regardez autour de vous. C'est l'intérieur qui intervient. C'est les affaires étrangères qui intervient. C'est l'économie et les finances qui intervient. De temps en temps, la femme, le ministère de la femme ou de la famille, c'est très rare, mais il arrive qu'elle intervient. Mais c'est bien la preuve qu'aucun d'entre ces secteurs n'a la solution de la gestion de la migration. Qu'une politique nationale qui fédère toutes ces forces doit pouvoir être formulée de manière tout à fait inclusive en mettant gouvernement et société civile, chercheurs, ensemble, pour qu'on puisse trouver ce qu'on veut, la vision de la migration qu'on veut, les objectifs que nous avons à atteindre et les acteurs qui doivent nous aider à le faire. Donc, tant qu'il n'y a pas de formulation de politique nationale, vous avez un document qui circule, qu'on appelle le document de politique migratoire, qui a peut-être 5 ans maintenant. On a mis 5 ans et on ne l'a pas encore adopté politiquement. On l'a adopté techniquement, semble-t-il, mais il n'a pas encore été adopté politiquement. Ça veut dire que toutes les informations, toutes les données qui sont dans ce document sont obsolètes déjà, à l'heure où on vous parle, tellement la migration est dynamique et qu'elle bouge. Donc, une politique à nos différents pays, une formulation de politique nationale, une coopération internationale et un partenariat égalitaire sont absolument nécessaires entre les pays, non seulement de la région et les économies qui existent, mais entre nous et les pays qui reçoivent aussi nos migrants dans les pays du Nord. Cette coopération devrait couvrir à la fois les questions de sécurité et de développement, et l'exemple du Sénégal est patent là-dessus. La troisième recommandation, c'est la gouvernance de la migration par cluster, c'est-à-dire selon un mécanisme de coopération entre pays limitrophes qui partagent les mêmes frontières et souvent les mêmes populations. Un processus de consultation régionale, PCR, qui rassemble les décideurs et la société civile autour de problèmes de gouvernance des migrations qui leur sont communs, la sécurité, la santé, la législation, le travail, les droits de l'homme. La création d'observatoires, et moi je ne suis pas pour la limitation de ces observatoires, parce que des observatoires peuvent avoir des objets différents. Et l'essentiel c'est que ce soit des personnes expertes, des personnes compétentes qui gèrent, qui manipulent ces observatoires et que les résultats des travaux de ces observatoires puissent être communiqués et partagés et qu'ils puissent servir, que ces résultats puissent servir à avancer. Donc, cette question de mettre en place des observatoires nationaux, eh bien, ça aussi fait partie des recommandations que nous faisons. Et la coopération internationale multi et bilatérale, bien entendu, qui ne pourrait pas être prise en compte dans les relations entre les pays et les régions, que si le respect mutuel et le partenariat égalitaire sont une réalité entre les parties. Voilà ce que je voulais dire, juste comme pour introduire ce thème, en tout cas faire un état des lieux sur beaucoup d'aspects que nous rencontrons, que nous connaissons, sur lesquels on nous demande nos avis. Cela ne veut pas dire que nous trouvons les réponses, nous trouvons les réactions que l'on entend et que l'on voit compatibles. Moi, j'ai été, de par mes positions, très, très proche de certaines autorités pour leur dire, écoutez, vous êtes responsable de tel secteur dans la migration et il serait bon que vous fassiez de cette manière-là. Mais j'avoue que je n'ai pas été toujours suivi, mais je ne désespère pas. Je crois que les choses vont changer, que vous allez
aider à changer parce que vous allez avoir l'argumentaire qu'il faut pour faire comprendre à vos autorités que les choses doivent changer. La migration, elle se gère. On doit donner le maximum de chances aux personnes qui décident pour les autres, le maximum de chances de comprendre que c'est une donnée dynamique et c'est une donnée avec laquelle il faut absolument compter, non seulement pour le présent de nos différents pays, mais pour le futur de nos pays. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci, professeur. Merci. Donc, là, pour avoir fait vraiment magistralement le tour de la question, bon, je crois que la balle est dans le camp des chercheurs. On a soulevé des certitudes, on a soulevé des interrogations. Hein, donc, on a également évoqué, en fait, une méconnaissance. La maladie, parce que quand vous dites que nos autorités ne se retrouvent pas, s'il faut dire, politique d'immigration ou immigration, c'est là le premier biais. Une immigration dépend sur un certain nombre de paramètres, de déterminants même, je dirais, sur lesquels on fait une politique. Une immigration également dépend d'un certain nombre de déterminants sur la base desquels on fait une politique. Et quand les gens confondent migration irrégulière et migration illégale, bon, je crois que c'est tout un champ déjà. Bon, prof a parlé également de la question des données statistiques. Là également, il y a à manger, à boire. Vous regardez deux bases de données, vous ne pouvez pas comparer les statistiques. Parce que les critères qui ont permis de caractériser la migration, ce n'est pas partout la même. Je donne un exemple très simple. Chez nous, l'ANSD considère que un migrant, c'est quand on a passé 6 mois en dehors de sa résidence principale. Vous regardez les données statistiques de l'Eurostat, les données européennes, on est migrant quand on a passé 1 an, 12 mois. Et c'est ça le nom. Dans c'est ça le nom. Le territoire. C'est 12 mois. C'est 12 mois. Elle a évoqué également toujours dans cet amalgame dans laquelle les pays de destination imposent pratiquement aux pays d'origine. L'amalgame entre un migrant et un réfugié. Le réfugié, c'est lui qui demande l'asile. Le migrant, c'est quelqu'un qui, dans le processus normal, ne devrait pas être dans cette situation. Et vous avez vu toute la littérature, tout ce que l'actualité médiatique récente, depuis la guerre du Golfe, hein, le Proche-Orient, l'arrivée des flux, on ne sait plus qui est qui. Qui est réfugié, qui est migrant. Alors que les choses... Bon. La professeure, donc, elle a fait vraiment, elle a également fait le tour de tous ces défis géopolitiques, hein, avec toutes ces formes de sécurité qu'il faudrait prendre en compte. Si l'Europe, les pays de destination ne s'intéressent qu'à la dimension économique, ça pose problème. La migration ne peut pas se réduire. Elle a également mis l'accent sur un aspect important qu'on passe toujours sous silence, que l'essentiel de la migration africaine se passe en Afrique et on n'en sait pas grand-chose. Parce que tout simplement, le bailleur qui finance, il a intérêt de savoir
comment il va gérer la migration internationale entre l'Afrique et la destination européenne ou américaine. Mais elle ne s'intéresse pas à ce qui se passe chez nous ici. Et elle a dit que l'essentiel de la migration se passe même à l'intérieur de l'Afrique. Ça, c'est une question qui nous interpelle également. Et on peut me dire, elle a vraiment fait le tour donc de ces questions. Hein. Bon, je ne vais pas tenter de faire une synthèse, mais quand même, bon, je crois que même si on a fait le tour, peut-être qu'on pourrait prendre une, deux, trois, quatre questions, hein, Prof, pour ceux qui voudraient interpeller la professeure sur un aspect, pas des développements, c'est des questions simplement. C'est ce qu'ils en ont et ils peuvent se manifester. Voilà, et donc ma question est la suivante. Quelle réponse pouvons-nous apporter à ceux qui nous disent que même les associations, les ONG en Occident qui disent participer à aider les migrants irréguliers à atterrir en Europe, quelle réponse pouvons-nous apporter à ceux qui pensent que ces associations utilisent ces migrants comme moyen de pression sur les États, plus comme moyen de subvenir aux besoins de ces migrants? Quelle réponse pouvons-nous apporter? Que ces associations utiliseraient les migrants irréguliers comme une forme de chantage pour pouvoir capter des fonds de l'Union européenne ou pour pouvoir mettre la pression sur certains gouvernements qui seraient plus ou moins en déphasage avec eux, les politiques qu'ils souhaiteraient mettre en place. Quelle réponse pouvons-nous apporter en ce moment? Pourquoi vous voulez leur apporter une réponse? Si c'est un besoin de ces organisations, parce qu'ils voient que ce que leurs pays font ne correspond pas à ce à quoi ils croient. Okay. Et s'ils n'ont pas d'autres moyens que de faire pression sur leur gouvernement pour venir en aide aux migrants. Est-ce que j'ai bien compris ça? Oui, c'est ça. Oui. Qu'ils font pression auprès de leur gouvernement pour venir en aide aux migrants. Alors que leur gouvernement ont des textes qui arrêtent les migrants, n'est-ce pas? Voilà. Moi, je pense que c'est des bonnes guerres. Ils ont cherché les moyens d'aider les migrants parce que c'est des droits de l'homme. Ils pensent que les gens ont le droit de se mouvoir, d'aller et de venir. Le problème qu'on a, l'écueil qu'on a, c'est qu'on a effectivement le droit d'aller et de venir, mais à condition qu'on ait les papiers qu'il faut. Vous voyez, à condition qu'on respecte ce que le pays d'accueil veut, les lois des pays d'accueil. Ça aussi, il est bon que les Africains le disent aux autres Africains. Et c'est pour ça que l'éducation de la population dans les zones, qui vivent dans les zones de fort potentiel migratoire, est absolument importante. Il faut dire aux gens, oui, on doit respecter vos droits comme personne humaine. Et il est évident que c'est normal qu'on se batte pour ça, mais il est normal aussi que les devoirs que vous avez, vous les remplissiez. On a des droits, mais on a aussi des devoirs. On ne peut pas aller s'installer chez... Mais ne serait-ce que... Prenez votre exemple à vous. Qu'est-ce qui vous donne le droit? Je ne pense pas qu'il puisse vous arriver de penser que vous pouvez juste venir chez moi vous installer sans que je vous invite, sans que je vous donne l'autorisation, sans que vous ayez ce qu'il faut pour être chez moi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et ça, il faut... C'est un langage à tenir aussi à nos migrants. Ils ont le droit d'être mobiles, mais la mobilité, elle se gère. On a le droit de migrer, mais à condition qu'on ait un projet de migration. Mais seulement parce que je suis pauvre, parce que je n'ai pas de travail chez moi, je m'en vais à n'importe quel prix, dans n'importe quelle condition. Vous avez vu les pirogues dans lesquelles nos jeunes voyagent?
Je pense que la plupart d'entre vous, vous n'avez pas vu ça, sinon à la télévision. Et on ne vous montre pas tout. On ne vous montre pas tout. Alors que vous savez que vous pouvez voyager par le train, tranquillement. Vous pouvez voyager par avion. Mais il y a un minimum de processus à respecter. Moi, je ne jette pas l'anathème sur cela. Hein. Allez-y, prof. Je suis Michel Ndiaye Mabiram Ndiaye. Je suis enseignant au département de sociologie. Je voudrais tout d'abord féliciter Madame le ministre pour sa brillante présentation qui nous a permis effectivement d'avoir quelques éléments d'appréciation par rapport à la migration d'une manière générale. Je ne sais pas si mon intervention sera perçue comme juste une intervention ou alors une question, mais on verra. Alors, la problématique de la migration est tellement vaste qu'on pourrait passer toute une journée à en parler sans vraiment épuiser le sujet. Ça, c'est un. Deuxièmement, moi qui vous parle, il m'arrive dans mes écrits, dans mes quelques publications ou références scientifiques, effectivement, d'aborder la problématique de la migration parce que pour une bonne partie de ma thèse, je l'ai réservée en tout cas à une bonne partie de ma thèse que j'ai soutenue à Paris 7. Je voudrais également préciser un point important que Madame le ministre a évoqué, effectivement, toujours dans le cadre de cette migration, pour dire que la migration, d'ailleurs je confirme, que la migration intra-africaine est beaucoup plus importante que la migration Afrique, le reste du monde. Si je dis Afrique, le reste du monde, je fais allusion à Afrique, Amérique, Europe, etc., etc. Donc, voyez-vous, c'est parce qu'on nous a toujours bernés par les médias et peut-être par certains spécialistes occidentaux que la migration Afrique-Europe ou Afrique autre continent est beaucoup plus importante, beaucoup plus problématique, certes, mais elle ne l'est pas, elle n'est pas beaucoup plus importante. Ça, c'est un premier point. Et Madame le ministre a l'abordé. Alors, il y a un autre point sur lequel je voudrais revenir, justement, c'est celui lié à aux sémantiques. Hein? Alors, donc on parle de migrants, d'autres parlent d'immigrants, d'autres parlent de migration, d'autres parlent de l'immigration. Alors, on ne sait plus vraiment à quel mot utiliser en réalité. Des fois, on veut dire quelque chose, mais le concept qu'on utilise devient le contraire de ce qu'on veut dire. Elle l'a bien dit. Effectivement, nous qui réfléchissons, qui travaillons dans ce sens, on s'en rend bien compte. Alors, le dernier peut-être point sur lequel je voudrais revenir, c'est celui lié à la politique migratoire du Sénégal. J'en sais quelque chose parce que moi, personnellement, j'ai été premier conseiller au ministère, dans un ministère ici au Sénégal, donc conseiller technique numéro 1. Et ce ministère-là, effectivement, faisait partie des ministères qui traitaient les questions de la migration. Il y avait le ministère, effectivement, comme elle l'a dit, de la femme. Il y avait le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, quelquefois même le ministère de l'Économie et des Finances. Et la justice, très bien. Voilà. Donc, voyez-vous, il y a cette transversalité des ministères qui traitaient la question de la migration. Et que donc, du coup, si le Sénégal voulait avoir une voix à l'international, donc nous tous, tous les ministères-là qui travaillent sur la question étaient saisis. Et donc, chaque ministère, alors donc, fournissait un document qu'il envoyait effectivement au niveau de la primature pour qu'on puisse en faire un document officiel qui part de la migration qui va engager le Sénégal à l'international, soit dans le cadre de la coopération bilatérale ou multilatérale. Et puisque j'étais conseiller technique numéro 1 à cette époque, j'avais la chance effectivement d'hériter certains de ces dossiers. Et donc, je confirme ce que Madame le ministre effectivement vient de dire. Mais là aussi, il y a un problème. Parce que très souvent, dans le cadre de la migration bilatérale ou multilatérale, alors donc, le Sénégal, bien vrai que des fois, il a une position,
Mais il s'avère que cette position-là est une position en réalité qui ne reflétait pas exactement la réalité du terrain. Donc, il se posait de sérieux problèmes, mais en tant que fonctionnaire, en tant que, je ne sais pas, autorité, tu ne pouvais pas te permettre d'évoquer certaines questions. Et donc, là aussi, il y a un problème à ce niveau. Alors, donc, pour ne pas monopoliser la parole, je terminerai pour juste dire que, en réalité, la problématique, ou si vous voulez, problème fondamental lié à la migration ou à la liberté de déplacement des gens, alors vient du fait que certaines personnes se sont levées alors pour ériger des barrières relatives au mouvement des personnes suivant leur liberté de mouvement et d'aller et de retour. Voilà, merci beaucoup, je vous remercie. Peut-être, professeur, au lieu de réagir tout de suite, on va donner la parole au professeur Ndoye. Merci, je voudrais juste, au nom du directeur de l'école doctorale, remercier encore une fois pour la clarté du propos et la façon dont vous avez dégagé des axes majeurs, en fait, pour la réflexion. Quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans ce que vous avez dit, c'est la création de chaire. L'université a pour vocation de produire du savoir et du savoir qui peut être mis en application par nos dirigeants. Et c'est extrêmement important pour une question que vous avez soulevée, qui est la question de la sémantique. Parce que nommer les choses, ça n'est jamais quelque chose de neutre et d'innocent. La manière dont on nomme inclut aussi justement toute une vision du monde, la manière dont on fait se positionner sur le champ géopolitique. Et si nous n'avons pas dans nos universités des centres de recherche qui produisent du savoir, qui va informer la pratique de nos gouvernants, nous réfléchirons à partir de concepts qui ont été élaborés ailleurs en fonction des intérêts de ces gens-là, parce qu'un concept, ça n'est rien d'autre, en fait, qu'un outil intellectuel pour interagir avec le réel. Et donc, ce concept-là, il n'est jamais neutre. Il est porteur d'intérêts, de conflits, etc. Et il n'y a que l'université qui peut rompre cela. Et je considère que sous ce rapport-là, vous avez parfaitement raison de mettre l'accent sur la création de chaire. Et je voulais vous en remercier infiniment. Merci. Je vais aller vite. En fait, c'est juste pour revenir un peu sur les concepts, sur le civisme en fait des Africains à travers la sémantique dont nous avons parlé. Tout simplement. Oui, oui. En fait, je m'appelle Cher Saho. Je suis enseignant chercheur au département de l'aide moderne. Et c'est pour aussi revenir en parlant de ça, c'est pour mettre l'accent aussi sur l'absence de production littéraire, surtout cette migration intra-africaine. Aujourd'hui, il y a énormément de production sur cette migration Europe-Afrique-Europe, n'est-ce pas, du sud vers le nord. Il y a énormément de travaux sur ces productions, mais malheureusement, évidemment, il y a une absence totale sur cette création littéraire au niveau de cette migration intra-africaine. Je crois même que, sur ce plan d'ailleurs, je parle là des créateurs, c'est-à-dire des romanciers et autres. Et je pense que même sur le plan de l'oralité, nos moments, je pense que dame un peu le pion par rapport à ces gens-là, parce que moi, je me souviens de ces textes qui considèrent le Gabon comme étant l'univers, quand Paul on dit le Gabon Woodou Lady, c'est-à-dire que c'est le centre de la terre, le centre du monde, en quelque sorte. C'est en référence à cette migration-là qui se faisait surtout les peuls du Futatoro qui allaient vers ces jours-là, évidemment. Voilà. Donc, le suivisme, vraiment, c'est à déplorer. Et c'est à tous les niveaux, nous, Africains, on ne fait que suivre. Malheureusement. Merci beaucoup. Voilà. C'est juste ça. Si, cher. Bon, prof, si vous avez 2 minutes, et en profiter pour conclure. D'accord. Ok, je vais le faire. Oui.
On ne sera pas long. Juste pour répondre à M. Ngaï, juste de vous donner quelques éléments, M. Ngaï. Je comprends très bien votre situation parce qu'on vous a vu venir, on a toujours vu venir les ministres avec leur CT et souvent, les CT, ce sont les CT qui restent en réalité. Pour suivre les débats. Je ne sais pas ce que vous en faites après, mais les observations que vous faites nous confortent dans l'idée que la migration au niveau national doit être gérée à un niveau supraministériel. Ce n'est pas une question d'un ministère. La migration, elle est multisectorielle, elle est pluridisciplinaire, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Et il faudrait que ce que j'ai toujours proposé et que je propose encore, il faut que la cellule de coordination de la gestion de la migration soit logée au niveau de la primature, s'il existe une primature. S'il n'existe pas de primature, que cette cellule soit logée à la présidence de la République. Vous savez pourquoi? Parce que dans ce cercle de gestion, quand on vous convoquait ou qu'on vous donnait des éléments, des écrits à travailler pour votre autorité, eh bien, le ministère des Affaires étrangères n'est pas plus important que le ministre de l'Économie et des Finances, n'est pas plus important que le ministre de l'Intérieur, n'est pas plus important que le ministre des Forces armées, n'est pas plus important que celui de la femme, etc., etc. Tous ces ministères, le ministère de la Justice, parce que la question des droits de l'homme des migrants, il faut qu'on en parle. Tous ces ministères devraient pouvoir être coordonnés quelque part. Et dans la logique administrative, il n'y a que la primature. Si ce n'est pas une primature, c'est la présidence. Et ça, impossible d'y arriver parce qu'il y a des jeux de force à l'intérieur. Il y a des ministères qui sont plus forts que d'autres, il faut le savoir. Non seulement il y a la hiérarchie, les ministères sont hiérarchisés, mais de par leur travail, il y a des ministères qui sont beaucoup plus forts et plus pesants, dont on tient davantage compte de ce qu'il dit que dans notre ministère. Ça, c'est un problème. Et le problème, il existe encore aujourd'hui. Ensuite, le fait de la sémantique, moi je crois qu'il faut juste que l'on fasse attention et que vous qui servez de brain trust aux autorités politiques, que l'on puisse attirer l'attention de ces gens-là sur comment ils utilisent. Et puis on rédige les discours aussi, on les rédige pour eux. Donc on peut toujours aussi gérer cela à ce niveau-là. La création de chair, monsieur le doyen Ndoye, oui, moi je crois que aucune sémantique n'est neutre. Aucune sémantique n'est neutre. Et vraiment, le malaise que l'on crée quand on est dans une réunion et que les pays d'accueil sont en face des pays d'origine et qu'ils parlent, c'est le malaise qui est créé, vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme c'est pénible et comme c'est difficile pour un intellectuel ou une intellectuelle juste d'accepter des choses pareilles. C'est très difficile. Donc, moi, je me dis, il faut apprendre. Ce n'est jamais trop tard pour apprendre. Il faut qu'on leur apprenne, il faut qu'on leur dise que les choses doivent être comme ça. Et non pas tout simplement parce que vous aimez, parce que vous avez une sympathie pour un groupe ou pour un autre. Pour l'absence de le professeur Sarro, pour l'absence de production littéraire, mais même de production scientifique tout simplement, monsieur Sarro. Vous savez pourquoi il y en a plus ailleurs qu'ici? Parce que ça a un coût. La production scientifique, elle a un coût. Les enseignants qui font de la recherche, il faut les rétribuer sur des domaines bien déterminés. Il se trouve que ceux qui font de la recherche sur un domaine particulier, on les paye pour ça. Je suis désolée, mais c'est la réalité. Donc, si vous n'avez pas les ressources pour faire la recherche qu'il faut, eh bien, comment voulez-vous les faire? Il faut donner de l'argent, il faut investir dans la recherche.
Et dans ce domaine-là, c'est la seule manière de régler ce problème que vous dénoncez. Maintenant, la production littéraire, c'est dans l'intersectionnalité. Être avec les littéraires dans les différentes chaires, il y a des chaires de sociologie, il y a des chaires de culture et civilisation, mais qu'est-ce qui empêche de faire un groupe sur la migration ? Parce que vous pouvez faire intervenir tout le monde. Voilà. Je crois que c'est tout. Si je ne me trompe pas, hein, je crois que j'ai dit. Merci infiniment. Merci, prof. Bon, je crois qu'on lui doit Pierre Chandel donc, de nous avoir entretenus ce matin. Donc, et de manière surtout très pédagogique. Hein? Donc, pour que chacun à son niveau puisse comprendre les enjeux et voir aussi qu'est-ce qui, par rapport à ce qu'il sait, qu'est-ce qui peut l'intéresser comme champ d'investigation, parce que c'est ça qui est important. Hein? Tout le monde ne peut pas traiter de tout, mais chacun, en fonction de ses prérequis, de son background, devrait pouvoir trouver un aspect spécifique dans le discours donc, de la professeure pour que demain, on puisse mettre en commun ce qui est réfléchi à gauche, à droite, et qu'est-ce qu'on va retenir pour arriver à avoir cette vision justement interdisciplinaire et holistique de la question migratoire. Et je crois qu'elle a donné assez de pistes. On ne cessera de la remercier. Merci. Et moi-même, je ne cesserai de vous remercier. C'est Babacar, pape. Vous êtes ici. Pape. Donc. Pape, allô? Hein? Baba. C'est Babacar. Voilà. C'est Babacar. Est-ce que ceux qui sont en ligne, ils sont nombreux aujourd'hui, ceux qui sont en ligne. Est-ce que tu peux donner au moins à ceux qui sont en ligne s'il y a une question? Ceux qui sont en ligne. En attendant, est-ce que pour les statistiques, parce que le professeur Pamsaro a soulevé la question des statistiques, elle est importante, la question des statistiques, et surtout la question de l'ANSD, des recherches de l'ANSD. Babacar? Oui, sur le chat, il y a un certain Zalzal Madid. Que je peux lire s'il ne veut pas intervenir directement. Il a dit qu'il y a aussi la migration européenne vers l'Afrique, dont on ne parle pas souvent. Et c'est l'immigration. Ça, c'est l'immigration. Oui, oui. C'est l'immigration. Ouais. Pardon, c'est des immigrants pour nous. C'est des immigrants. C'est voilà. Nos immigrants. Voilà, ouais. Vous voyez comme c'est difficile. Ouais. Et c'est nos immigrants. Mais ouais. ça dépend de la. Le ministère de l'Intérieur travaille là-dessus, hein, Babacar. Il faut leur dire que on a des informations sur les migrants qui viennent s'installer au Sénégal. Ouais. Seulement, c'est des chiffres qui ne sont pas partagés, des faits sur lesquels nous ne revenons pas souvent. Parce que les gens ne sont intéressés que par ceux qui partent d'ici. Allez, si vous pouvez prendre pour une minute. Oui, je peux prendre pour une minute. Oui. Merci tout le monde. Merci d'avoir organisé cette rencontre. Je suis désolé, j'étais là-bas à l'ouverture des travaux, mais j'ai dû quitter avant l'heure pour venir au WARC où j'ai une autre rencontre tout de suite à 12h30. Donc, je passe directement un peu à ma proposition. Cette proposition, c'est plus ou moins de considérer cette idée de faire une chaire migration, mais surtout des clusters aussi concernant la recherche interdisciplinaire. Je donne juste un exemple. En parlant de migration, on considère qu'il y a toujours des ministères impliqués, ministères des Affaires étrangères, de la justice, etc., etc. Mais aujourd'hui que le professeur Ndioro Ndiaye nous parle des pays d'origine, il y a aussi cette notion de culture d'origine. Et cette culture d'origine, c'est une réalité aussi dans les études d'émigration. Et le professeur Pape Sako l'a certainement souligné en disant que
qu'il faut démultiplier les champs d'investigation et je pense que ce champ d'investigation aussi mériterait d'avoir une place dans les clusters de recherche parce que moi-même personnellement, je suis en même temps administratif et chercheur dans ce domaine et cette notion de culture d'origine, de tout ce qui est culture et identité par rapport aux populations migrantes, ça m'intéresse et je pense que l'université nous aiderait à intégrer ces paramètres voilà, dans le champ. Merci. Voilà, merci professeur pour ces challenges. Ces étudiants sont là et beaucoup de sujets de recherche pourront être menés en collaboration avec le JIRSI ou avec d'autres équipes de recherche. Avant de donner la parole à Babacar Mbaye Diop pour le mot de la fin, je voudrais juste rappeler le prochain rendez-vous. Il aura lieu le 17 février. C'est un rendez-vous en ligne. Okay? Donc, je vous ai dit qu'il y a une suite de 8 panels que je me permets d'appeler le jeudi du JIRSI. Le jeudi 17 février, de 16h à 17h15. Donc, ce sera le premier panel de l'axe 1. Les intervenants, nous aurons le docteur Alun Sen, qui va intervenir sur l'intégration et l'appropriation des valeurs de la diversité culturelle en Casamance. Daouda Khan, doctorant JIRSI, va intervenir sur politique et culture de violence à l'ère de la globalisation. Et le docteur Pépin, du Burkina Faso, va intervenir sur les mouvements citoyens, conquêtes démocratiques et expériences africaines. Donc, le lien sera partagé pour que vraiment tout le monde puisse intervenir. Ce sont des questions actuelles, des questions intéressantes. C'est un groupe de recherche interdisciplinaire. Toutes les questions sont posées sur la table et sont discutées. Merci à Pape Saro, merci à tout le monde. Je donne la parole à Babacar Mbaye Diop pour le mot de la fin. Merci beaucoup, mon ami Philippe. Je voudrais vraiment remercier la professeure Nioro Ndiaye de cette belle matinée. Remercier le professeur Badondoy pour avoir représenté le docteur de l'école doctorale Morndao. Remercier aussi Pape Saro pour avoir présidé cette séance de ce matin. Remercier tous les collègues qui sont là dans la salle et qui sont connectés aussi. Ils sont nombreux. Nous étions 35 à nous connecter. Donc, 35 à nous connecter, c'est quand même un bon chiffre. Remercier les doctorants qui sont dans la salle, les étudiants, les collègues, tout le groupe du JIRSI, vraiment. Depuis une semaine, ils ont vraiment bien travaillé. Je suis loin, mais l'équipe est là. Je pense à Eladj Malik Sy, à Philippe, à Pierre, mais aussi à Malik Diagne, tous les collègues vraiment, à Diaw, donc Alun Diaw, au doctorant, mais vraiment tous ceux qui ont aidé pour la réussite de cette matinée. La professeure l'a dit, il faut une chaire de migration. Je crois que c'est une bonne proposition. Déjà, on a dans notre axe 2 de recherche, dans l'axe 2 de recherche qui est consacré aux migrations. Donc, l'axe 2 s'intitule donc identité, société et migration. Je crois que c'est un axe qui pourrait en tout cas prendre en charge cette question-là dont vous traitez et qui est donc dirigé par Wouriba. Je ne sais pas si il est dans la salle, mais Alun Diaw est bien dans la salle. Ce sont les deux collègues qui gèrent cet axe-là. Moi, j'ai bien aimé la conférence pour d'abord cette en tout cas, proposition de chaire, mais surtout sur les concepts que vous avez vraiment développés de migration, mais aussi d'immigration, de réfugiés, de migrants, des concepts qui nous intéressent, nous, en tant que philosophes, et surtout, vraiment, de donner rendez-vous à tous les participants de ce matin, au 17 février. Donc, nous avons des panels jusqu'au mois d'octobre. Voilà, jusqu'au mois d'octobre. Et c'est en gros plus de 35 conférences que nous ferons donc en ligne. Et vous êtes vraiment invités si vous êtes disponibles. Voilà, il y a plusieurs questions dans le chat, mais finalement, je ne pouvais pas tout lire. Je remercie ceux qui ont écrit aussi dans le chat. Ils sont nombreux, hein? Ils sont nombreux à écrire dans le chat, surtout un certain Zalzal Majib qui a posé beaucoup de questions. Mais qu'on ne pourrait pas lire donc aujourd'hui. Peut-être qu'il aura le temps de revenir une autre fois. Voilà, merci beaucoup.